Hey, salut les inconnus, comment allez-vous? Bienvenue à l'épisode 2 de ma nouvelle série sur YouTube nommée Le Web québécois. Et dans cet épisode, le thème va être les artistes. Je suis sûr que même si vous venez pas d'ici, vous connaissez plusieurs artistes qui viennent du Québec, comme Céline Dion ou Éric Lapointe. Mais aujourd'hui, on va parler de 5 artistes québécois qui se démarquent vraiment des autres. 5 artistes québécois excentriques, desquels vous avez peut-être ou pas entendu parler. Avant de commencer avec les 5 artistes principaux de la vidéo, j'aimerais ça faire une petite mention honorable à Johnny Crying avec son fameux tube « Touche pipi » avec Pizza Toute Garnie. Puis si vous le saviez pas, oui, Johnny Crying est abonné à ma chaîne, donc Johnny, si tu regardes la vidéo, fais ton retour sur YouTube, s'il te plaît, on s'ennuie de toi, on a besoin de plus de contenu de Johnny Crying. Voilà les canouilles! As-tu vu? As-tu... Hey! 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 As-tu vu les canouilles? Ok, maintenant passons à nos 5 artistes principaux de la vidéo. Normand L'Amour est réellement un prodige québécois. Puis ça, c'est pas un understatement, là. C'est vrai, ok? La musique de Normand a vraiment marqué mon enfance. C'est un artiste vraiment unique qui improvise pas mal toutes ses chansons, ce qui crée souvent des résultats assez intéressants. Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte, puis alors chapeau. Monsieur L'Amour est un vrai passionné de la musique. Au fait, au cours de sa carrière, il a créé 2243 chansons différentes. Ce qui est assez impressionnant pour un seul cerveau humain. Notre cher Normand fréquentait souvent le Madrid, et non, je parle pas de la capitale d'Espagne, mais plutôt d'un restaurant au bord de l'autoroute 20 à Saint-Léonard-d'Aston, là où il vendait ses disques. Normand était réputé pour son caractère assez extravagant, et justement, c'est ça qui lui donnait son charme en tant qu'artiste. Et même après sa mort en novembre 2015, Normand continue à toucher des cœurs à travers sa musique. C'est triste, je sais. Les Angels sont un groupe de hip-hop underground composé de 3 filles, nommé après la photographe Anged, qui est connue pour ses photos de bébés. Complètement what the fuck? Il pleut. Ils ont publié un album en 2007 intitulé On Need Everything avec 15 chansons qui ont toutes absolument aucun fucking sens. No joke là, aucun sens. Elle Je suis peut-être vulgaire, mais je fais pas la guerre. Il y a rien de plus tête que non en cuir. Comment héros, on me dit ghetto. Il y a rien de plus tête que non en cuir. Et oui, en passant, toutes les 15 chansons de cet album que vous pouvez acheter sur iTunes ont été créées avec GarageBand. Wow! Le groupe a fait quelques shows à Montréal peu après la lancée de leur nouvel album. Et peu de temps après, ils sont complètement disparus de la face du web. Triste. Les seules traces qu'on peut retrouver des Angels sur le web sont leur compte MySpace, mais à part de ça, il n'y a rien d'autre, donc on peut bel et bien dire que les Angels sont dead. Hubert Lenoir est un artiste de 25 ans qui s'est fait connaître grâce à son album Darlene et qui a attiré l'attention de tous les médias québécois avec son style assez flyé et marginal qui dit « fuck les normes ». Dans le fond, le cher Hubert se présente comme qu'il veut puis il se calisse de ce que les autres ont à dire, ce que je trouve qui est une très très bonne chose. Être un gars puis porter du rouge à lèvres, c'est un fucking power move, ok? Genre, sérieusement, là. Ces chansons qui l'ont lancé dans le spotlight sont Fait de personne 2 et Recommencer, qui sont toutes les deux des gros verres d'oreille. Fait que, man, si ça te tente d'avoir ça dans ta tête pendant 3 jours, juste écoute-le une fois, puis ça va suffire, ok? Je te le jure, là. Hey, perds ton temps. Même qui touche ton corps. Oh, bébé, je me dis ça. Les 3 accords sont un groupe de musique pas très connu en France,
mais au Québec et dans le Canada francophone, c'est l'un des groupes les plus populaires. C'est sérieusement un de mes groupes préférés à moi, puis je les ai même vus en direct il y a 2 ans à Trois-Rivières au Festivois, ce qui était incroyable. Pour beaucoup de monde, les 3 accords sont considérés comme l'équivalent francophone du groupe Weezer. Ils font de la musique humoristique avec des paroles souvent surréalistes, mais qui peut contenir des messages cachés assez profonds si tu portes attention aux paroles. J'aime ta grand-mère. Plusieurs des albums des 3 accords traitent de sujets peu discutés dans la musique, comme par exemple l'identité transgenre dans l'album Dans mon corps et l'homosexualité dans l'album Joie d'être gay. Plusieurs de leurs grands hits, comme Hawaiian, j'aurais voulu que tu sois Hawaiian, Saskatchewan, Saskatchewan, et Tout nu sur la plage, comporte tous des messages cachés dans les paroles, alors il faut que tu écoutes assez bien pour tout comprendre. La 5e et dernière artiste dont je vais parler dans cette vidéo est nul autre que Safia Nolin. Safia fait de la musique très libératrice et elle non plus a pas peur de se montrer aux gens. Dans le vidéoclip pour sa chanson Lesbian Breakup Song, on peut voir Safia et plusieurs autres femmes de toute taille à poil. Comme je te niaise même pas là, tu peux pas trouver la vidéo sur YouTube vu que c'est contre les règles de publier de la nudité. Safia a mentionné que la vidéo avait comme but de promouvoir la diversité corporelle, ce qui honnêtement, est, selon moi, est un très beau message, puis comme, you know, I'm all for it, ok? Genre, personnellement, si tu me demandais à moi, ok, de montrer le bat puis le cul devant une caméra, asti, je pense pas que j'aurais le courage, courageuse, j'aurais jamais été capable. Selon moi, c'est vraiment bien de voir des artistes québécois comme Safia se servir de leur musique pour essayer de briser les stéréotypes qui ont existé pendant des centaines d'années, voir des choses de même qui t'ouvrent les yeux puis qui te montrent une nouvelle perspective. Je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Puis on a juste besoin de plus de gens qui font des choses de même, parce que sinon on va pas avancer en tant que société. Puis c'est ça que je voulais dire là, tu sais, un deep talk avec Appelez-moi Phil. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as aimé le 2e épisode de ma nouvelle série Le Web Québécois, eh bien je t'invite à aller checker le reste des épisodes en cliquant juste ici. N'hésitez pas à laisser un beau gros pouce en l'air, un commentaire, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour de nouvelles vidéos chaque samedi à 10h au Québec et 16h en France. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, sayonara les bananas.